Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Attention. Dessus. Non. Possible. C'est pas possible. Max Alain Gradel pour son retour en Ligue 1. But de Max Alain Gradel qui signe donc son grand retour en Ligue 1. 50. Il va trouver Neymar, la frappe de Neymar et l'égalisation de Neymar qui Clinton Gilles l'a récupéré. Il l'a récupéré. Pastore. C'est face à la croix, la vue de Fekir. La frappe de Fekir. Et le zéro pour la pictionnée. La frappe. La frappe exceptionnelle de Luis Gustavo. De Tété dans l'axe. Mariano qui va conclure. 3-0. Qu'est-ce qu'il est heureux de marquer un but, Mariano. Qui va partir. Bertrand Traoré. C'est dedans. 4-0. Un pied gauche soyeux. L'occasion de réussir un doublé. Face à Stéphane Ruffier, c'est fait. Il a attendu justement que la 85e arrive pour marquer. Retrait de Cristiano Ronaldo. Qui compte bien entendu. Zouki. Quel but extraordinaire. Quel but extraordinaire. Le ballon pour Gignac. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac. C'est parti. Et c'est dedans. Edinson Cavani qui remet le Paris Saint-Germain au niveau de l'OM. Casemiro à 30 mètres avec un sort. Cristiano Ronaldo qui vient couper. Marcelo, c'est dedans. Et le quatrième but du Real Madrid. Nous allons offrir un peu d'espoir en fin de match avec la tête de Christopher Julien. Et cette fois, c'est dedans. Cette fois, c'est imparable. C'est dedans avec un peu de réussite. Oh, la réussite. Pour Antoine Griezmann. Pour Toni Kroos. Et Oblak qui s'interpose une première fois. Isco a suivi. Ouais, c'est dedans. Et cette fois, c'est bizarre. Tu reviens. Ça s'est entraîné Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui frappe dès l'entame de la deuxième période. Ah, c'est Isco qui est bon. Le voilà. Le voilà, le troisième but madrilène. Et le doublé pour Cristiano Ronaldo. Sans souci aucun pour Robert Lewandowski qui a attendu que Navas fasse son choix pour faire. Avec la tête de Cristiano Ronaldo, la tête qui va envoyer le Real Madrid en demi-finale. Là, Lewandowski, quel retour. Et le but contre son corps. Le but contre son corps de Nacho. Cristiano Ronaldo qui va exécuter d'ailleurs. Il est en jeu. Il n'est pas signalé en tant que tel. Et Cristiano Ronaldo, la frappe d'Asensio. Qui donne une ampleur large maintenant au succès de Casemiro. Et cette fois c'est imparable. Et qui est là, l'inévitable Cristiano Ronaldo. Favorable. La frappe de Ronaldo. Une demi-occasion suffit à